Et pour cette 25e édition, Bulik est toujours là, de l'ambiance sur la route, la météo avec, des jolies filles sur les routes pour nous applaudir. Ça change du quotidien, c'est génial. Vivement la 26e édition. Merci. Voilà, on prend des risques, on a engagé des coureurs un peu inédits, des mecs qu'on ne connaît pas, des gens qui habitent en centre-ville. Bonjour Olivier. Bonjour monsieur. Voilà. Un peu des rôtis, suivez-moi. Attends, bougez pas. Regardez. Ça c'est, regardez. Restart. Merci d'être venu, Simon Kolbok. La grande classe. Voilà. Voilà, après les autres. Il s'échauffe, hein. Bah oui, parce qu'on laisse rien au hasard. Voilà. Alors 16e participation des Pinta Béroy, on les fait pas, hein. On les fait pas, mais voilà, on salue le Tour du Béarn et on espère passer un excellent week-end. Pinta Béroy, ça va? Ouais. Chaud bouillant. Le paysage est splendide, rien à dire. Je suis parti un peu vite, je crois. Allez, bon demi, en fait, ça ira mieux. Merci. Hein? Ouais, tu te préserves un peu là. Ils sont avec les Gnacou. Ouais, c'est bien. Vous êtes en avance cette année. Et encore, on gère. Après, de toute façon, on le sait, hein, avant que Robert tire les courus, on peut rien dire. C'est le baromètre, on le sait, c'est à la fois le point faible et le point fort. C'est voilà. Mon relais. On peut pas dire. Faut être patient. Je sais que le public veut savoir, mais... Après, je voudrais dire un truc. Vous avez certainement vu un Kenya Prou faire un décrassage après son étape. C'est Philippe. Il a... Bon, il court demain parce qu'on est pour qu'on soit au complet, mais il est viré. Vous verrez plus ça. Terminé. Thank you.
première fois que je fais le Tour du Béarn, j'en ai beaucoup entendu parler. Course très très dure ma foi, très vallonnée. Moi j'ai fait la cinquième étape, je m'attendais pas du tout à ça. Par contre il y a une super ambiance, c'est bien organisé. Donc, voilà tout ce que je peux dire et je dirai à demain maintenant. Je suis l'ancien président du comité d'organisation du Tour du Béarn, donc toujours dans le comité évidemment. Avec cette belle équipe pour la 25e édition qui se déroule, ma foi, très bien. Hein, une bonne ambiance, on a de beaux compétiteurs. Franchement, tout se déroule pour le mieux actuellement. Donc, pourvu que ça dure, on est très content de venir encore dans ce cadre du château de Crouzeil. Hein, un cadre magnifique qui nous accueille depuis de très nombreuses années, qui est un partenaire fidèle. Les coureurs, les accompagnateurs savent apprécier ce moment de convivialité. Et c'est un moment de convivialité qui fait aussi la richesse et la force de notre compétition. C'est vrai que cette année, on a pas mal modifié le parcours pour essayer de densifier un peu la course. Bon, c'est vrai qu'on est dans des endroits magnifiques, comme ici à Crouzeil. On va atterrir à Duce bientôt. Très très bel endroit. Les compétiteurs sont, cette année je trouve, bien cadrés. Pas trop de véhicules sur la route. Ça se passe très très bien. J'espère que ça va bien continuer. Spécialiste du trail, la route ça fait mal. Mais bon, c'est bien, on s'amuse bien. La Fumée à trail, les speed trail de la Fumée sur route, bien sûr. Et ça va pas du tout. Donc là, cet après-midi, on lui a dit pour demain de mettre des chaussures de route. Donc ça ira mieux demain, je pense. C'est-à-dire que tout ce matin, j'ai couru sur les bas-côtés, dans l'herbe, et bon, sur la route, ça va un peu plus vite, quoi. Voilà, je suis deuxième relayeur, deuxième et dernier relayeur, direction Garlin. Vincent, du club Chibero Tarak, c'est la deuxième fois qu'on participe au Tour du Béarn. Une très très belle épreuve, mais aussi très très dure. Et voilà, quoi. Toujours un plaisir d'y venir. Une épreuve très conviviale, et c'est ce qui fait son atout principal. À table, un parcours sélectif, ouais. Apprendre avec modération et finir avec modération. Okay. On coupe. Tour 150 tagines de bœuf et agneau. Voilà, on termine à la cuisson. Non ? Ça vient d'où ce nom là ? Ça ? On ne sait pas. On ne sait pas trop en fait. On se prenait pour les Américains, mais on est des Bulgares plutôt.
Merci. Bon, on rentre dans le dur là. Voilà, c'est clair. Début de la montée au port de Casse-Tête. Ouais. Ouh. Tu as déjà fait celle-là? C'est la premier tour du Béarn pour moi. Oh. Sympa pour toi. Alors, après la première journée? Bien. Bien, très bien. Pas facile, mais bien. Et là. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Ouais, ça fait plus dur. Bon, on se retrouve. Depuis tout à l'heure. Ouais. Très compliqué, surtout qu'on n'a pas l'habitude de faire de la montagne. J'arrive de la Vendée, donc c'est assez plat. Ça change un petit peu. Donc ouais, c'est compliqué. Pour la faire dans le cadre du challenge de l'Osso, et là aussi c'est, je pense qu'au final on fera 3, mais bon, en tout cas on se sera bien battu, on aura passé un bon week-end, c'est l'essentiel. Premier rôle et ceux qui jouent les fins du classement. Et l'esprit reste le même que pour ceux de devant et de derrière, c'est voilà, se faire plaisir entre copains. Et le slogan, comme on disait, pour l'équipe une qui, pour qui ça se passe bien, c'est pas parce qu'on est bon qu'on est con. Une minute. Ah, une minute. Parfait, le pas, c'est nickel. Ça roule ? Ça roule, ça roule. Chaud ? Il fait chaud. C'est jamais arrivé. Très bien, bonne ambiance, bon, tout ouais. Impeccable, organisation, avitoyement, ambiance, tout, castellano que te calles, mais c'est très très joli l'ambiance, c'est vrai, c'est incroyable, c'est dur quand même, hein. C'est dur. En ambiance, le Tour de Béarn, l'an prochain, peut-être, nous serons 3 équipes, on verra, ouais. Mais c'est magnifique, c'est fantastique, super. Merci, hein. Merci beaucoup. Oui, alors après l'étape d'hier où j'ai fini dernier, l'objectif était aujourd'hui
éventuellement de ne pas le faire parce que la montée de l'Aubis c'est quelque chose. Finalement on l'a fait et on arrive avant-dernier, donc c'est une grande satisfaction. Voilà, c'est une belle 25e édition qui a été donnée hier samedi matin. Et aujourd'hui, nous sommes à l'Aubisque, nous arrivons sur la fin, il reste quelques étapes. Une très belle édition, très bien encadrée avec de grands bénévoles. Et bien, bonne suite au Tour du Béarn, on espère qu'on va pouvoir perdurer l'édition et continuer. Voilà. J'organise le Tour du Béarn parce que c'est une aventure fabuleuse. C'est fantastique, sinon je ne l'aurais pas organisé 22 fois. Parce que nous, à chaque fois, on revient avec des souvenirs plein la tête. Donc bon, on amène un petit peu de notre soleil. Ben là, il était au rendez-vous. Bon, il a plu un peu vendredi, mais même sous la pluie, c'est fantastique. Ça va ? Allez, courage. Come on, 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 come on